presque 13 ans déjà qu'on a lancé le projet, 12 ans de travail sur place. Et bon, il y a eu plus de 5000 enfants et jeunes qui sont déjà passés pour le projet. Il y a 1200 qui sont là sur place presque tous les jours. On travaille beaucoup avec les familles aussi, le développement local. Et bon, on voit maintenant, après 10 ans et aujourd'hui aussi toujours, qu'il y a eu un vrai changement où nos centres, on a des grands centres sportifs, culturels, éducatifs qui a transformé le quartier. Et grâce aussi bon, à la nouvelle génération, mais aux familles aussi. Et aujourd'hui, c'est devenu un modèle qu'on fait la SMH pour d'autres régions du Brésil. Et il y a des programmes à nous aussi qui le pouvoir public prend comme un exemple, qu'il utilise aussi pour des politiques publiques. Donc on a beaucoup de résultats. Le Gol de l'Etra a une grande, je dirais, fondation, une grande initiative, de, bien sûr, de Ray et de Leonardo. J'étais sur place à Sao Paulo et effectivement, une structure très, très bien huilée, à savoir que les enfants sont bien insérés, les familles des enfants aussi. Un cursus scolaire, pédagogique, voire même sportif, et vraiment un exemple au Brésil. D'ailleurs, Lula l'a intégré dans son programme. Donc c'est très bien, je crois que c'est une association à suivre. Il y a une vraie reconnaissance, mais bien sûr que le projet aussi, il y a un esprit critique sur la réalité du Brésil. Même si on a une économie qui marche bien aujourd'hui, mais l'éducation publique, donc c'est pas seulement le projet, les programmes, mais aussi la cause de l'éducation publique, la justice sociale au Brésil, qui ont fait partie de tout un mouvement pour qu'on ait un pays encore meilleur. Bien sûr, je crois que le foot est populaire et touche bien sûr toutes les couches sociales. Donc quelque part dans cette, je dirais, nombreuses initiatives, pour moi, on se doit justement de participer et faire vivre le foot à travers des actions sociales, faire vivre justement des actions sociales via le foot. Donc oui, je crois qu'il y a une interaction, cela dit. Il ne faut pas toujours attendre que le sport soit là pour essayer d'amener un peu de bonheur. Je crois que tout un chacun, que ce soit les politiques et autres, se doivent justement de penser à ce qu'on peut faire. Et véritablement, le sport est un véhicule, oui.